Cette technique simple libère de l'anxiété du quotidien. Parfois, on peut être anxieux de l'avenir. Imaginez un scénario qui, la plupart du temps, ne se déroule même pas. À quel point on aime tellement les films que l'on en crée à l'intérieur de nous-mêmes. Ouais. À vous, tu le fais toi aussi. Tu t'imagines des trucs et là, tu développes du stress, de l'anxiété et au final, il ne se passe nada. À quoi bon s'être stressé pour rien? Bref, je vais partager une technique qui va grandement t'aider par rapport à cette situation à laquelle tu es confronté. La technique que je m'apprête à te partager libère de l'anxiété, j'ai envie de te dire, à 80% du temps. Par rapport à 80% de l'ensemble des situations où tu peux ressentir de l'anxiété. La technique, elle est très simple. Ça demande juste un peu d'effort. Parce que forcément, regarder une vidéo nécessite peu d'effort. Tu es dans un état passif. Il y a d'autres techniques qui nécessitent un effort actif. Et par définition, qui nécessitent plus d'effort parce que tu es dans l'action. Ouais. Donc, c'est juste de prendre une feuille. Je pense que tu dois en avoir, peut-être dans un tiroir. Ouais. Et un stylo, juste un. Une feuille, un stylo, très simple. Et tu vas décrire la situation qui te crée de l'anxiété sur le papier, mais dans un processus bien défini, écoute-moi. Donc, tu penses à quelque chose qui n'est pas arrivé, qui peut-être va arriver ou peut-être n'arrivera pas. Tu décris cette situation qui te crée de l'anxiété aujourd'hui. Donc tu la décris. Okay. Cette situation, j'imagine ceci, ta. Après, ce qui peut être intéressant, c'est que tu imagines les différentes possibilités. Une fois ce problème décrit, donc la situation en soi pour toi est un problème, même si concrètement, le problème n'est pas la situation, mais ton interprétation qui fait en sorte que tu ressentes telle émotion. Donc, tu décris cette situation et là, tu proposes deux options. Option 1, ça se passe bien. Option 2, ça se passe pas bien. Donc, option 1, ça se passe bien. Quel est le ressenti que tu auras? Donc, tu décris la situation, si le résultat, donc il faut que tu penses entre guillemets au problème, à la situation en tant que telle et l'outcome. Donc, en fonction de cette situation, il peut se passer tel résultat. Résultat positif, comment je me sens, comment est le résultat. Résultat négatif, comment je me ressens. Et le simple fait, et je t'assure que c'est magique, parfois juste d'examiner en fait le résultat négatif de la situation que tu imagines. Mais quand je dis imaginer, c'est vraiment aller en profondeur. C'est pas juste « Ah, on m'a dit non ». Non, on m'a dit non égale. Ok, on m'a proposé d'aller à telle soirée, imagine je suis rejeté, qu'est-ce qui se passe? Je rentre chez moi, option 1, négatif, option 2, négatif, je reste, ok, comment je me sens dans cette situation? Ok, je me sens de cette manière, pourquoi je me sens de cette manière-là? D'aller en profondeur dans le ressenti relié au résultat négatif, et surtout celui-là qui nous intéresse, de la situation. Et le simple fait d'écrire, parfois tu vas réaliser que, en fait, tout seul, sans moi, tout seul, tu vas réaliser, mais il n'y a pas de raison d'être anxieux au final. Je t'assure que cet exercice est magique. Peut-être que tu as peut-être du mal à voir en quoi, mais en fait, parce que là, tu es dans une dynamique où tu veux que je t'apporte les réponses à travers une vidéo. Alors que là, moi, la technique que je te partage, c'est les réponses, c'est toi qui vas les trouver. C'est quand même vachement mieux. Sauf que, si je t'apporte les réponses, tu es dans un état passif, et que si c'est toi qui les trouves, tu es dans un état actif. Et c'est à ce moment-là que tu vas pouvoir beaucoup mieux intégrer les solutions. D'où l'intérêt de s'inscrire à une formation. Par exemple, si tu veux réduire 100% d'anxiété, t'inscris à ma formation sur la confiance en soi, où il y a plus de 11 heures de contenu, t'as intérêt d'être motivé, parce qu'il va falloir que tu sois dans l'action. Il y a 11 heures de contenu où je te fais écrire plein de trucs, pour justement imaginer toutes les situations où les gens n'ont pas confiance en eux et où il y a de l'anxiété et du stress qui émergent. Parce que quand tu as confiance en toi, il n'y a pas d'anxiété. Tu sais très bien que tu trouveras une solution. Tu sais très bien que tu sauras gérer quelle que soit la situation. Mais il faut être dans cet état actif et non passif. Et ça demande plus d'efforts. Et la plupart des gens ne sont pas prêts à fournir des efforts. La question que tu dois te poser, c'est es-tu prêt à fournir un effort? Si tu veux régler toutes les situations problématiques dans ton quotidien qui sont basées sur de l'anxiété et du stress, inscris-toi à ma formation sur la confiance en soi, le lien est dans la description, il y a 11 heures de contenu, c'est ma plus grosse formation, enfin, j'ai des cours de yoga où il y en a plus, mais c'est ma plus grosse formation et tu vas pouvoir considérablement te libérer de l'anxiété sur toutes les situations de la vie.
Parce que quand t'as confiance en toi, même s'il y a de l'anxiété qui émerge, tu vas dire, attends, mais je sais que je peux gérer cette situation. Ça me fait pas peur. Et même ça me fait peur, j'y vais. Et qu'est-ce qui va se passer? Il y a moi. Ça peut sembler être arrogant, mais je t'assure que quand t'as vraiment confiance en toi, c'est ça qui se passe. Mais pour venir sur cette technique, je t'assure que les solutions, tu les trouves toi-même. Tu décris le problème. Okay. Tu décris des résultats possibles, positifs et négatifs. Et dans tous les résultats négatifs, tu examines le ressenti que tu peux avoir et le résultat du résultat. Parce que tu vois, on me dit non, résultat, ben, je me sens seul. Je me sens seul, résultat, quel résultat? Ben, je rentre chez moi, résultat, je reste sur place. Ok. Et en fonction, tu vois, tu crées des liens, tu crées un, je crois que c'est un organigramme, tac, 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 boum, et il y a toujours... Et au final, tu t'aperçois que c'est pas grave. C'était pas grave. Tu pouvais très bien gérer cette situation. Et tu restes en vie dans chacun des scénarios. C'est pas extraordinaire quand même. Donc fais cet exercice, je peux te garantir que ça fonctionne. Quand tu es confronté à une situation où il y a de l'anxiété, ça te permet de remettre les choses en perspective. Et d'apporter surtout de la relativité et de réaliser que tout se passe bien. Mais si tu veux booster ta confiance et ne plus être confronté à ce type de scénario, inscris-toi à ma formation, le lien est dans la description. Si tu es motivé uniquement, sinon laisse tomber. Si tu es motivé, inscris-toi, le lien est dans la description. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.